Bonjour à tous et bienvenue dans votre agenda. Voici les événements que nous vous proposons de découvrir prochainement. Le lundi 11 novembre, rendez-vous à Saint-Sulpice à Paris pour le rassemblement des Antillais et Guyanais catholiques. De 14h à 17h, le public pourra participer à des temps de louanges, des témoignages et des enseignements. Monseigneur Macaire, archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France en Martinique, Monseigneur Yocreux, évêque de Basse-Terre en Guadeloupe, et Monseigneur Lafont, évêque de Cayenne en Guyane française, présideront la messe finale. L'événement est organisé par l'Aumônerie Antilles-Guyane. Vous pouvez trouver plus d'informations sur la page Facebook de l'association ou au 09 87 35 32 33. Du 8 au 11 novembre, un week-end spirituel est organisé par le diocèse d'Avignon à Notre-Dame de Sainte-Garde, dans la ville de Saint-Didier. Les journées seront rythmées par des chants, des louanges et des eucharisties. Le père Pierre Coulanges donnera également des enseignements. Pour vous inscrire ou demander des informations supplémentaires, contactez le 04 90 66 01 08 ou envoyez un mail à centrespirituel@notredamedevie.org. Pour fêter les 40 ans du diocèse de Belfort-Montbéliard, une comédie musicale intitulée « Jésus, don d'une vie » sera mise en scène par la Compagnie des Actes le 18 avril 2020. Des auditions sont organisées pour trouver des danseurs et danseuses amateurs de plus de 15 ans. En tournée nationale depuis mai 2018, une troupe de 36 artistes donne vie à l'histoire qui a changé le cours de l'humanité. Vous avez jusqu'au 9 novembre pour envoyer votre lettre de motivation et votre photo en pied à cdact@gmail.com ou en contactant le 06 87 19 57 69. L'audition aura lieu le samedi 23 novembre à Donjoutin. Le 8 novembre à 19h, la paroisse de la Sainte Famille organise une soirée de prière pour les personnes malades. Un moment pour aider les personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, afin que Dieu les accompagne dans leur épreuve. Rendez-vous à l'église Sainte Bernadette de Pau. L'événement sera animé par la communauté de l'Emmanuel. Vous pouvez contacter le 05 59 02 88 23 ou visiter le site www.sainte-famille64.org pour en savoir plus. Et si vous avez des informations à nous transmettre, vous pouvez nous écrire à agenda@ktotv.com ou à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et on se quitte en musique avec un extrait de l'album Psaume pour les dimanches et fêtes. Toute l'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée. Se tenir dans le lieu saint, l'homme au cœur.